salle, bienvenue aujourd'hui pour le training du jour. Alors pour l'entraînement aujourd'hui, on va avoir besoin d'une paire d'haltères, d'un tapis si vous en avez besoin. On va travailler un peu l'ensemble du corps. Et puis voilà, ça, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je vous dis bon courage, à tout de suite pour l'échauffement, c'est parti. Pieds plus larges que le bassin, on inspire. On étire, on se grandit. Parfait, allez chercher sur le côté. On revient au centre, on change de côté. On revient au centre, on va chercher vers l'avant, fléchissez les genoux, arrondissez votre dos. On remonte. On se grandit un petit peu plus. Les pieds sont plus larges que le bassin. Et on relâche tranquillement. Petit squat, c'est parti. Et on commence cool. Pieds plus larges que le bassin. Les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. J'espère que vous êtes très très en forme. 4, 3, on y va ici. Hop. Parfait. Fléchissez bien les genoux à chaque fois. Entraînement global aujourd'hui, ok? Super. 4, 3, commence à mettre les bras devant. C'est parti. Hop. 1, 2, 3. On va bien s'échauffer. Super important, ok? 4, 3. 2, fléchissez bien les genoux à chaque fois et on va chercher sur le côté. Let's go. Twistez bien au niveau des abdominaux. Voilà, regardez en direction du bras. Super. 4, 3, vers le haut les amis. Hop. Super, tout va se jouer sur la musique aujourd'hui. On commencera par le bas du corps et on montera petit à petit. Encore un peu. 4, 3. Les deux bras, c'est parti. Hop. Échauffement, on va se réchauffer un tout petit peu, ça va le faire. 4, 3, 2, on est parti. Relâche les bras, talons, fesses. Hop. Très bien, la jambe d'appui toujours légèrement fléchie. Rapproche bien le talon de la fesse. Super. 4, 3, monte les genoux, alternez. Go. T'as vu, je garde toujours les bras actifs, super important. Encore un peu, 4, 3, on repart, talons fesses, let's go. Et je commence déjà à être un tout petit peu essoufflé. Normalement chez toi, tu dois te réchauffer aussi. Et on est parti, alternez les genoux, hop. Yes. Montez bien le genou hauteur du bassin, super important. 4, 3, 2, ok, on repart, petit squat, et on reprend les bras devant. Quand tu tends les bras, tu fléchis les jambes. Yes, 4, 3, descends un tout petit peu plus bas, et respire, respire, et super. 4, 3, 2, parfait, bloc en bas, bloc, buste droit les amis, bras hauteur des épaules, bassin hauteur des genoux, pas trop bas, ouvre les bras, referme, c'est parti, ouvre et ferme, encore, ouvre, ferme et ouvre, ferme. Super. 4, 3, accélère, ça donne. 1, 2. Ici, tu dois garder les bras hauteur des épaules hein, et bien resserrer les omoplates avant de refermer. Super. 4, 3, 2. Ici, pivote. 1, 2. On commence avec l'effort. 1, 2. Les deux jambes se fléchissent à chaque fois. Je regarde en face de moi. J'accélère, single, en bas, en haut. Yes. Ici, tu ne dois jamais tendre la jambe au maximum, ok? Préserve tes articulations. 4, 3, 3 petits en bas. 1, 2, 3, et tu remontes. Et 1, 2, 3, encore, et... Super. C'est toi qui choisis ton amplitude. Toujours 3. Si tu es en forme, tu peux descendre un peu plus bas. Si tu l'as un peu moins,
tu gardes un petit mouvement. 1, 2, 3, encore. Parfait, single, let's go. Et 1, inspire et souffle. Monte, descend, le buste droit. 4, 3, 2, 7, petit en bas. Et ça doit commencer à chauffer un peu. 5, 6, 7, encore une fois, let's go. 1. Parfait, single, et 8, 7, high, 6, 5, et 4, 3, 2, on change, single, 4, 1, wouh, inspire et souffle, que ça fait du bien de changer de jambe. Je reste de profil, d'accord, pour que tu vois bien mon mouvement de fond. 3 petits en bas. 1, 2 et 3. Encore. 1, 3, 8. Ne bloque pas ta respiration. Super important. Et 1, 2. On garde les 3 petits en bas. 1, 2, 3. Important. Garde toujours le buste droit. Déroule les abdominaux. Et 1, 2, 3. Super. On est parti. Single, let's go. Et en bas, en haut. Inspire et souffle. Essaie de bien répartir ici tout le poids de ton corps sur la jambe avant. Ok? Yes. 4, 3, 7, petit en bas. Viens avec moi. 3, 4, 5, 6 et 7. One more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 8 single. Let's go. 8, 7. Ne lâche pas. 6. 5, aïe aïe aïe, 4, 3, 2, reviens au centre, en bas, bloc. Là tu respires, tu es en bas, ok. On a déjà bien bossé les cuisses. Yes, si c'est trop dur, tu descends un petit peu moins bas, mais tu gardes les genoux fléchis. Tout petit en bas, tout petit en bas. Allez, finis-toi les cuisses, on y va. Oui, oui, ok, et on relâche. Ouh. Un bon début, on a bossé les cuisses, ok, récupère un petit peu, marche, tu bois un petit coup, c'est le moment. Sinon on va passer au deuxième exercice, on va avoir donc besoin de poids. Alors, on prend les poids comme ceci, pied largeur du bassin. Genou légèrement fléchi, stable dans les abdominaux, ça donne. Monte, monte, reviens, reviens. On repose les cuisses tranquillement. Ah. Inspire, souffle. 1, 2. Quand tu montes, tu dois avoir le bras, le poignet, pardon, hauteur de coude, hauteur d'épaule sur une même ligne et le coude légèrement fléchi. Accélère, single, et 1, 2, monte, reviens, encore, monte, reviens, coude légèrement fléchi, j'insiste, super important, abaisse tes épaules, serre les abdominaux, si jamais tu commences à creuser le bas du dos, tu peux envoyer un pied derrière toi, 4, 3, 2, et bloque en haut, bloque, yes. Coude, hauteur des épaules, ne cassez pas votre poignet, reste tonique. Yes, on a fini la première partie, épaule. Tu débloques ici, et on développe, single, et 1, 2. Toujours la possibilité de mettre une jambe derrière ou pas, ok. Verrouille tes abdominaux, souffle, inspire. Yes, on reste en single, go, en haut, reviens, souffle. Comment ça se passe chez toi? Normalement, tu commences à le sentir. Je suis désolé. Moi, le premier. Verrouille-moi ces abdominaux. Reste un single. Et 1. Et 2. Allez, courage. 3. Aïe. Accroche-toi. Accroche-toi. Ok. Il en reste 8. Tous ensemble. 8. 7. Ça commence à chauffer.
6. J'ai oublié les abdos. 5. 4. 3. 2. Et on relâche. Yes. On roule un petit peu les épaules, donc ici on travaille l'épaule, un petit peu le trapèze ici, tout va bien. Voilà, décontracte un petit peu, super. Ici, prochain mouvement donc pour le dos. Ok, vous allez venir vous mettre comme ceci, genou légèrement fléchi, juste vers l'avant, les bras sont là et on va venir faire 1, 2, reviens, reviens. 1, 2, encore, et important ici d'avoir un dos plat. 1, 2, accélère, single, et 1, 2, garde la tête dans l'alignement avec le dos. Pas là, ni là, hop, tu regardes en diagonale en direction du sol. 3 petits, et 1, 2, 3. Essaie de bien garder les coudes proches de toi. Super important. Pas là, mais les coudes proches de toi. 1, 2, single, let's go. Et 1, et 2. Je t'ai pas dit, mais tu as la possibilité de le faire avec une bouteille d'eau, celui-là. 4, 3, 2, tout petit en haut. Et 1, 2, 3. Garde le bas du dos en tension, contracte les fessiers. Yes, 4, 3, on va continuer sur le dos, on va travailler un petit peu plus le haut du dos, retends les bras, single, ça fait côté, côté, ici, coude légèrement fléchi, tu resserres les omoplates, hop, 4, 3, 3 petits en haut, 1, 2 et 3, oui, 2 et 3, aïe aïe aïe, 1, garde à tout prix les coudes légèrement fléchis, ça commence à chauffer. Single, go. 1, 2, inspire et souffle. J'espère que ça se passe bien chez toi. Encore, 4, 3, bloc en haut, bloc. Bloc en haut, bloc en haut. Ne lâche surtout pas maintenant, essaie de garder toujours un dos plat. On est toujours bloqué en haut. Super, petit en haut, il reste 8 ans, accroche-toi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et on relâche, ok, bravo tout le monde, super, vous pouvez poser vos haltères, bien. Bon travail tout le monde, je pense que ça vous a bien réchauffé les épaules, un petit peu le haut du dos, les lombaires étaient également en tension, et au début on a fait un petit travail pour les cuisses. On va s'étirer un petit peu, ok? On va diminuer un petit peu la musique, et on s'étire, ok. Bien, super tout le monde. Travail court mais efficace, bravo à tous. Ici on va venir attraper... Hop, sa cheville, la jambe d'appui légèrement fléchie, vous verrouillez bien les abdominaux, les deux genoux proches l'un de l'autre, et on étire un petit peu. Muscle que l'on a travaillé sur les fentes, sur le début du training. Parfait, vous relâchez tranquillement. On change de jambe, hop. Rapprochez le nombril de la colonne vertébrale, les deux genoux sont proches l'un de l'autre. On étire l'avant de la cuisse. Super. Et on relâche tranquillement. Ici, vous allez apporter un bras comme ceci pour le coller contre vous avec l'aide de l'autre main. Et vous imaginez envoyer cette épaule-là vers le bas et vers l'extérieur. Abaissez l'épaule et envoyez-la vers l'extérieur. Étirement ici au niveau de l'épaule. Parfait. Et on relâche tranquillement. On décontracte un petit peu. On effectue la même chose de l'autre côté. Plaquez bien le bras contre vous. Paume de main en direction du plafond. On abaisse l'épaule. Hop. Et on tire sur le côté. Les jambes d'appui sont légèrement fléchies. Vous devez être à l'aise dans votre positionnement sur le bas du corps. Tu inspires par le nez. Et tu souffles tranquillement par la bouche.
Ok, super. Et on relâche tout doucement. Tu pousses avec ta paume de main ici en direction du sol, tu abaisses ton épaule, tu viens incliner la tête sur le côté opposé. Et ici, tu mets une très légère pression sur ta tête pour un étirement au niveau des cervicales, du trapèze et un petit peu au niveau de ton épaule. Parfait. Et tu relâches tranquillement, tu décontractes un petit peu. On effectue la même chose de l'autre côté, paume de main en direction du sol. On incline la tête sur le côté et on vient étirer ici au niveau des trapèzes et des cervicales. Parfait, vous relâchez tranquillement. Enroulez un petit peu les épaules, on va venir prendre une grande inspiration, inspirez profondément par le nez. On étire, on se grandit. Ici, vous fléchissez les genoux, vous envoyez le bassin vers l'avant et vous envoyez les épaules loin devant pour arrondir un petit peu votre dos. Très bien, tout le monde, on remonte tranquillement vers le haut. Et on relâche tout doucement. Super, bravo à tous pour ce training. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook pour suivre d'autres trainings. Je vous dis encore bravo pour cet entraînement et j'espère à très très vite à la salle. Bisous, à bientôt tout le monde.